Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 2h20. Ouais, je vous prends super tard. J'avais plein de choses à faire, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai fait quoi ce matin? J'ai fait sortir... Ah, les chichous sont sortis très longtemps, ils sont rentrés, il était presque 9h. Donc pendant ce temps-là, je ne sais pas faire grand-chose puisque je dois aller surveiller, enfin surtout Riley en fait. S'il n'y avait pas Riley, je devrais être moins attentive, mais je dois beaucoup surveiller Riley. Donc elle est extrêmement chiante. Donc pendant ce temps-là, j'avais fait quoi? J'ai fait du montage, comme je fais très souvent d'ailleurs. J'avais tout préparé pour faire ma patine en même temps que je vous parlais ce matin. Et finalement... quand j'ai fait rentrer les chichous, j'ai une tête pas possible. En même temps, je viens de me lever de la sieste, j'étais en nage cette nuit aussi. Là, il faut que je relave mes cheveux, mais je vais faire la patine, donc je la ferai demain. Et comment? Après, je voulais faire ouvrir le vlog en mettant ma patine et en la laissant poser, en discutant avec vous, vous racontant mon week-end, parce que du coup, je n'ai pas fait de daily vlog, parce que j'ai pas pris le temps de filmer. Samedi, mais Manon a fait un mini vlog, donc je sais pas si elle l'aura déjà sorti. S'il est déjà sorti, je vous le mets en barre d'infos. Sinon, bah, allez vous abonner à sa chaîne, comme ça vous aurez le mini vlog et vous saurez un peu le résumé de ce qu'on a fait sur la journée. On a passé un super moment. Enfin bref, je vous raconterai mon week-end après. Là, je vous raconte mes aventures d'aujourd'hui déjà. Du coup, je me suis dit, avant d'allumer l'appareil, je vais regarder sur le PS Store s'il y a déjà le tarif du jeu qui sort demain. Je ne sais pas s'il va sortir sur la PlayStation en même temps. Il sort sur PC demain, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il va sortir sur la PlayStation en même temps. Sur le PC, vu qu'à l'accès anticipé, on n'a toujours pas de tarif. Il sort demain dans l'après-midi, je pense, vers 14h ou 16h ou 17h ou 18h. Je ne sais pas, je verrai bien, mais il sort demain. Et sur la PlayStation, on n'a toujours rien de noté. Mais du coup, c'est les soldes. Sur la PlayStation, oui, je sais plus ce que j'ai dit. Du coup, je me suis baladée sur les soldes du Play Store. J'ai regardé toutes les bandes annonces des jeux qui pourraient m'intéresser, suivant le catalogue. Et du coup, j'en ai acheté 5. Pour 50 balles, j'ai 5 jeux. Hein, je crois que c'est 5 jeux. Je vous redirai demain, mais j'ai acheté Assassin's Creed et Phoenix Rising. Ils étaient dans un pack à 24€ ensemble, donc rien que le Valhalla, ça valait largement le 4 jeux peut-être. Ouais, 4 jeux. J'ai pris Jurassic World, parce que moi j'adore Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic World, j'aime beaucoup ce thème de film. Donc là le jeu c'est bah, créer son parc dans le même genre. Et j'ai pris, c'est pas Moira, c'est un autre jeu. Avec une petite fille un peu dans le style de Little Pony que j'ai testé hier. Je vais vous expliquer ça en vous racontant mon week-end. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai mangé, j'ai été me coucher. Et là, je me lève il y a une demi-heure, trois quarts d'heure que je suivais. Et voilà. Et j'ai plein de choses à faire. Et ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un montage et mon yoga. Voilà. Alors, pour le petit week-end, vendredi, chérie, il est sorti puisque c'était son anniversaire. À chaque fois, c'est le méga plein air à Dampicourt, qui est très réputé dans le coin. Il y a des gens qui viennent de très loin, pourtant c'est un tout petit festival, mais au départ, quand j'étais jeune, c'était un bal. Il y avait un peu toutes les musiques, maintenant c'est plus que du bang-bang. Donc il est sorti, donc j'étais toute seule, enfin Sam était en haut, hein, mais bon, Sam quand il est dans la maison, c'est comme s'il n'était pas là. Et voilà, j'ai passé, du coup j'en ai profité, j'ai passé un bon moment, j'ai hésité à faire un live, mais du coup comme j'ai dû enlever mes dents parce que je ne les supportais plus, je me suis dit je ne vais pas faire un live sans mes dents, hein, c'est juste pas possible, parce que là je prends 20 ans d'un coup si j'ai pas mes dents entières. Hein. J'en ai profité, j'ai refait ma petite colo pour mes sourcils, j'ai fait un masque, enfin voilà, j'avais fait plein de trucs comme ça, et j'ai joué à... Comment ça s'appelle, l'agent? J'ai toujours Forspoken en tête, mais c'est pas celui-là, c'est Flintlock.
Du coup, j'ai joué jusqu'à minuit et ben, Géry est rentré à 3h30 et ben, je me suis fait réveiller par l'aboiement de deux petits chiens complètement stupides dans les oreilles. J'ai fait un bond dans mon lit. Du coup, j'ai été me recoucher, je suis descendue voir dans quel état il était. Ça allait, il n'a pas abusé de l'alcool, il était bien. Après, c'était pas lui le Bob, hein, donc même s'il buvait, c'était son anniversaire, donc voilà, il n'y avait aucun souci. C'était juste pour être sûr qu'il se casse pas la gueule ou qu'il ne casse pas quelque chose ici. Ou qu'il ouvre pas la cage au Titi et puis qu'il cavale dans la maison. J'ai été me recoucher, sauf que Ryan m'a réveillé de nouveau à 6h moins quart, donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi ce jour-là. Voilà, j'étais crevée. Le samedi, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait le daily vlog, c'est parce que ben, j'étais tellement fatiguée, parce que Ryan m'a réveillée à 5, 6, ouais, 6h moins le quart, qu'au bout d'un moment, j'ai dû aller me recoucher le matin. Je dis sinon, je tiendrai pas la journée, je vais m'endormir après la bouffe, je vais m'endormir sur la table au restaurant, ce sera un peu con. Donc, je dis, je vais quand même me recoucher, tant pis pour le daily vlog, hein, c'est prioritaire mon sommeil, hein, ça sera toujours le cas. Et du coup, après, Manon nous a rejoint directement au restaurant avec son chéri. Nous, on était tous les deux, plus les deux enfants. On a passé un super moment, on a super bien mangé, comme d'hab. Le resto leur a bien goûté aussi. Donc, j'étais contente, ils ont découvert, puisqu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils n'en avaient pas comme ça. Ils n'ont pas un style du Woke Galaxy, là, enfin, du Galaxy Woke près de chez eux. Donc on a passé un super moment. Après on est revenu un peu à la maison, on a fait l'échange de swap. On a discuté et tout ça. On a passé vraiment un super moment comme à chaque fois. Elle a cassé mon chien encore. Voilà. Yuki avait plus de colonne vertébrale. Il était tout mou. Allez voir, je crois qu'elle a filmé ça dans son mini-vlog. Et du coup, quand ils sont partis, moi je suis montée directement faire filmer le déballage du swap, hein, parce que on peut pas attendre, hein, quand c'est comme ça. On attend déjà tout le long de la préparation et ensuite on doit encore attendre de faire l'échange, de se voir pour faire l'échange. Donc moi j'ai été filmée comme on fait à chaque fois de toute façon. Hein, on filme toujours comme ça, donc suivant celle qui va chez l'autre, ben, celle qui a pas de route, elle filme tout de suite, tandis que l'autre elle doit attendre de rentrer chez elle. Du coup, elle l'a filmé aussi bah, quand ils sont rentrés chez eux. Et le soir, on a fait le visionnage ensemble de mon déballage de swap, puisque moi, j'avais eu le temps du coup de le monter et de le uploader et tout. Donc, on a regardé celui-là déjà, comme ça, elle savait ce que je pensais de tout ce que j'avais reçu et elle a eu mes réactions. Donc, fou rire, elle s'y attendait vraiment pas, moi non plus, hein, je vous l'avoue. Donc si vous n'avez pas vu le fou rire épique que je me prends pendant le déballage du swap, allez voir. Et donc le lendemain, bah, j'ai ramassé tous les papiers qui traînaient dans mon bureau. Donc ça c'était le dimanche. Chérie m'a accroché l'étagère papillon, donc je vais vous montrer ça après. J'ai commencé à ranger, j'ai mis un petit peu de la déco là, donc je vais vous montrer ça. Oui après, je pense pas que Chérie et Sam vont rentrer dans l'immédiat. On a regardé le swap, la partie de Manon, du coup, le déballage de Manon. Et j'adore, parce que c'est pour ça qu'on n'attend pas, parce qu'on ne se dit rien par message après les déballages de swap, puisqu'on sait qu'on va faire vite pour voir le déballage en vidéo. Et les réactions sont beaucoup plus agréables à regarder que d'avoir juste des messages, oh ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. On ne sait pas vraiment si c'est un j'aime bien, waouh, ou un j'aime bien, ouais. Tandis que là, c'était génial. Et du coup, Géry, il a regardé avec moi, puisque je regardais avec les haut-parleurs. Il était assis là, puis il regardait avec moi. Et il rigolait. Je le voyais, il souriait quand Manon, elle aimait bien les trucs et tout. Oui, il aime bien regarder aussi. Parce qu'en fait, quand moi, je reçois les trucs pour le swap, je lui dis, regarde, je lui ai pris ça, j'espère que ça va lui plaire et tout. Oh, alors, faut vraiment que je lui commande ça. Donc, il partage un peu avec moi la préparation de son swap. Donc, du coup, il aime bien voir aussi les réactions de Manon. Et après ça, moi j'ai testé mes deux petits jeux cucu, la praline que j'ai acheté pour la PlayStation là en solde, donc My Little Pony et le ranch machin, je ne sais plus quoi. Mais écoutez, j'adore ces cucu à souhait. Ah, oh, à souhait. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est tellement léger comme jeu, il n'y a pas à réfléchir.
En plus, les graphismes Little Pony, là, ils sont vraiment très beaux, hein. C'est un beau truc, quoi. D'ailleurs, j'ai vu sur la PlayStation qu'il y en avait un autre, mais il est pas en solde, donc mais je l'ai quand même mis dans ma wishlist. C'est très beau, c'est très agréable à jouer. Bon, après, c'est sûr qu'il faut aimer ce petit genre de jeu un peu bah, cucu, quoi, tout simplement. Mais ça fait tellement du bien de se vider la tête là sur ce jeu et de. Parce que bon, en même temps, j'ai le souvenir de quand j'étais petite, que je regardais My Little Pony et que je jouais avec. J'avais toute la collection des petits poneys, tellement j'ai adoré ça. J'adorais ça quand j'étais petite, hein, c'était un truc de fou. Alors ça me replonge un peu dans mon enfance et tout, et je rigolais avec les dialogues et tout. Ça m'est descendu pendant que j'étais en train de jouer, il me dit, c'est pas vrai que tu joues à ça, bah, puisque c'est comme ça, je te fais même pas un bisou. Voilà, sympa. Mais ouais, je me suis éclaté avec ce petit jeu là. Et l'autre que j'ai pris, c'est un peu dans le même style d'histoire de My Little Pony là. C'est aussi avec une petite fille qui a des petites missions, si vous voulez, qui doit ramasser des pièces et tout ça. Bah là, c'est le même style, My Little Pony. Voilà. Si vous voulez que je vous montre un peu les. Bah, de toute façon, My Little Pony, je pense que je l'aurai vite fini hein, parce que ça va pas durer une plombe non plus. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Bah, aujourd'hui, j'ai pas faute grand-chose. Hein. Je sais pas si je fais ma patine après la kiné ou si je la fais demain. Je pense que je la ferai après parce que faut quand même que je lave mes cheveux là. Ils sont un peu. J'aurais le temps de le faire maintenant, hein, mais j'ai trop la flemme. Non, vraiment trop la flemme, quoi. Vous voyez ici comme mes cheveux sont bien blancs. C'est marrant hein, parce que j'ai vraiment les deux petites touffettes blanches là et puis le reste c'est. Bon, il y a du blanc hein, mais c'est plus grisonnant. Donc là il me reste deux les perles là. Après je repasserai aux grises, puisque mes cheveux sont commencent à être vraiment plus gris maintenant que blonds. Donc je repasserai aux grises après, mais il faut que j'aille en racheter, j'en ai plus des grises. Donc là j'ai encore les deux autres. Je les fais tous les mois et demi, 2 mois à peu près. Voire même 3 mois, là ça faisait 3 mois, je crois que je l'avais pas fait. Donc j'ai le temps encore un peu quoi. Mais comme ça, ben ça me fait l'été. Et automne-hiver, je pourrais refaire du gris, ça sera plus de saison. Et voilà. Sinon. Ah oui, j'ai rangé mon linge quand même aujourd'hui. Incroyable. C'est le seul truc que j'ai fait. J'ai eu l'idée pour ma table de salon parce que ce matin, Queenie s'est encore bien acharnée sur la peinture. Hein, elle m'a arraché tout un pan de la pâte. Et j'avais cette croupe, cette corde-là, assez épaisse. Donc je vais essayer de calculer, voir si j'ai assez pour enrouler les 4 pieds de table. Pour pas devoir en racheter une tout de suite. Je vais voir si j'ai assez de longueur. Bon, il y a 10 mètres. Je pense que ça peut le faire. C'est surtout qu'elle est assez épaisse. On avait acheté ça pour les titis pour leur faire tout un mur d'escalade, mais comme ils vont pas sur les trucs, on a tout enlevé là. Ils préfèrent jouer sur la cage ou sur nous en fait, surtout sur nous et sur mon bureau. C'est leur terrain de jeu, mon bureau. Ils adorent. Ils m'en retombent doux sur mon bureau. Je voulais aussi coller le miroir Bambi là, enfin les stickers miroir Bambi que j'ai eu dans le swap. Sauf que chérie me dit, ben, t'es un peu con, fais pas ça maintenant, on va devoir repeindre. Il me dit, tu le feras après, sinon on va devoir les décoller, c'est un peu con, quoi. Effectivement, c'est un peu con. Donc là, je vais attendre d'avoir repeint. Et d'avoir refait le plafond, puisqu'on a un trou dans le plafond, maintenant, il faudrait peut-être le refaire, hein, c'est vrai. La salle de bain est quasi terminée, bien qu'il n'ait rien fait ce week-end. Il a fait vendredi avant de partir, à sa sortie, là. Samedi, du coup, on n'était pas là de la journée, donc il n'a rien fait. Si, quand on est rentré, il a été enlevé tous les clips pour les joints, là. Et dimanche, normalement, il devait faire les joints pour qu'elles soient complètement terminées, mais finalement, il n'a pas fait. Il me dit, oh, j'avais dit que je ferais ça, mais j'ai la flemme. Donc, je suppose qu'il va les faire aujourd'hui en rentrant après la kiné ou demain, grand max demain. Mais demain, il faut absolument qu'il aille à la pharmacie et chercher de la bouffe pour les. J'ai plus de croquettes pour les chiens. Il leur reste juste leur gamelle là. Donc elle sera vidée ce soir parce que rien ne mange le soir. Et il faut des graines pour les chichous et des vers pour les titis. Donc il faut absolument qu'il aille. Ben, il ne peut pas aller au Tominco parce qu'ils n'en ont plus. Donc il faut qu'il aille aussi au luxe. Ah, il faudrait que je demande à Chat si eux ils en font encore. Tiens, des trucs. Ah, ouais.
Et je crois que c'est tout. Ouais. Ben, je vais vous prendre 5 minutes, enfin 2 minutes au téléphone pour vous montrer l'étagère là-bas en coin et ce que j'ai rajouté en déco derrière. Et voilà. Ouais. Je vous reprends au téléphone, ce sera beaucoup plus léger parce que c'est vraiment très mal. Donc voilà, je l'ai mis dans le coin là avec tout le linge de Sam qui traîne sur mon imprimante. Donc j'ai mis les petites pierres que j'ai eu aussi, le bougeoir et les petites pierres. Mais du coup, comme je ne penserai pas à allumer la petite lampe, j'ai mis le quartz dessus. Et je trouve que ça rend super bien, il ressort bien sur le fond noir de l'étagère et la lampe. La petite lune, voilà, j'aime beaucoup. Je vais envoyer tout de suite une photo à Manon, d'ailleurs je ne l'ai pas envoyée. Et alors ici, du coup, ben, j'ai écarté mes deux trucs et j'ai mis la petite lampe licorne. J'ai mis ça, les petits vases ici. Et puis c'est tout. Voilà. Mais ça donne trop bien hein, tout l'ensemble comme ça. Je trouve que ça donne très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Bon, allez, sur ce, on switch de jour. Alors, il est 9h10 et vous parliez que Riley va commencer à foutre le bordel là. Je vais filmer normalement le crash test des produits que j'ai eu dans le swap de Bichette. Sauf que, ben, flemme. Donc, comme Chéri normalement fait les joints aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Fait les joints, termine les joints de la salle de bain aujourd'hui. Je pourrais pas aller dans le bureau demain matin. Donc on filmera ça ensemble jeudi ou vendredi. Riley, Riley, Riley. J'aimerais bien passer chez Action, mais je pense pas que Chéri sera motivé d'y aller aujourd'hui parce qu'il veut faire les joints. Je lui enverrai quand même un message tantôt pour voir, vu qu'il doit aller à la pharmacie et que c'est dans le même village. J'ai vu des DIY que j'ai envie de faire. Et comme ça, comme on va repréparer un swap avec Manon, pour le calendrier d'avant de Noël. Oui, tu m'énerves! Je vais faire quelques DIY dedans, voilà, tout simplement. Je ne saurais que ce n'est pas le facteur, mais je m'attendrai qu'il vienne à cette heure-ci. Je reçois un colis, enfin un article Temu de ma commande ou de trois articles. J'en reçois un aujourd'hui par la poste et les deux autres, je ne sais pas quand, par colis privé. 9h20, 11h20. Est-ce qu'il me marque où est-ce qu'il est? Oh, ça va, j'ai encore un peu le temps. Donc ce sera 10h30 comme d'hab. Un des DIY que j'ai vu, c'est sur Insta, c'est pour faire des bracelets slash chouchous, comme vous voulez, avec des rubans. Et je trouve que le rendu est vraiment canon. Là, c'était un test, donc j'ai pas assez de rubans, bien que l'élastique soit un peu trop lent, trop grand pour moi. Mais si je le ferme comme ça, il sera trop petit. Il y a l'autre qui gueule en haut maintenant. C'est la fin du string là. Ryan! Bon, espérons que ce soit bon. Donc voilà, je disais, là je vais essayer de trouver pour soit mettre des perles ou. Test 3. Je ne sais plus ce que je disais. Rappelez-moi ce que je disais. Oui, je reçois donc une commande Temu aujourd'hui, mais juste un article et les deux autres arrivent par truc, je ne sais pas quand. Et je crois que j'avais déjà sauté ce chapitre et que je parlais d'autre chose. Bref. Donc hier, j'ai fait ma patine. Et j'étais en train de me dire, oh là là, j'adore la couleur, mais c'est bizarre, je préfère cette fois-ci que les deux, trois fois d'avant que j'avais fait.
Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que je me suis trompée dans mes deux boîtes de patine qui me restaient. Il me restait une pearl et une platine. Et j'ai utilisé la platine, celle que je préfère, qui a un effet froid plutôt que chaud et un peu plus grisonnant. Ça fait un blond cendré, comme j'adore. Et on voit bien sur mes cheveux blancs. Ça donne un joli effet platine, argenté, comme ça, j'adore. J'adore la couleur avec cette patine. Mais du coup, il me reste une rose. Donc, de toute façon, j'en ai plus, donc il faut que j'en rachète. Après, je rachèterai que des comme celle-ci. Hein, parce que c'est vraiment la couleur que je préfère de patine. Donc, voilà. Sinon, hier, j'ai oublié de vous dire, je vous ai montré ce que j'ai installé du swap, mais j'ai oublié de vous dire que j'avais mis les boucles d'oreilles que j'ai reçues. Attendez, essayez de zoomer. Alors, j'ai mis celle-ci de ce côté-ci. Elle est trop belle. Et du coup, j'en ai profité pour changer mon piercing parce que j'ai complètement oublié de vous montrer dans mon haul Shein. J'avais commandé un lot de piercing holographique comme ça, là, caméléon. Et j'avais pris exprès pour ce piercing-là. Hein. Mais voilà, il y a des comme ça aussi. Il y a des anneaux avec des pics et tout ça. Et de ce côté-ci, alors là, j'ai enlevé ma chaînette. J'ai mis le bébé Yoda. J'ai mis le petit carré là parce qu'il est juste trop beau. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être essayer de zoomer encore un petit peu. Ah, c'est un rectangle, pas vraiment un carré, c'est plutôt un rectangle. Et j'ai mis celle-ci ici au-dessus, la petite étoile là. Voilà. Et du coup, je les supporte. C'est juste que c'est chiant. C'est pour ça que je ne mets pas avec ce genre de. Les mouches là, les pics. J'appelle ça des pics moi parce que ça me pique. Attendez, je redézoome. Tout n'est pas rapide. Là, j'ai sorti tous mes rubans pour faire mes bracelets. Là. Mais là, comme il y avait des petits embouts en caoutchouc, j'ai mis les embouts en caoutchouc. Donc, ça me pique moins. Vous voyez, quand je dors, enfin, je ne dors pas sur cette oreille-là, je dors sur celle-ci. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai pas osé en mettre un. J'ai juste mis celui-ci. Et ben, quand je dors, ça va, puisque avec le petit embout en caoutchouc derrière, elle ne me pique pas. Mais alors, celle-ci, elle est vraiment canon, quoi. Je brille de mille feux. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour hier. Alors, hier, j'ai fait un carnage solde sur le PlayStation Store. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai acheté 4 jeux pour 50 balles. Donc, franchement, ça valait le coup. Déjà, dans l'eau, il y a Assassin's Creed Valhalla. 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 Je sais jamais combien de A il y a. Qui est déjà presque 60 ou 80 balles à lui tout seul. Et là, je l'ai eu à 25 euros avec un deuxième jeu dans le pack et qui est Phoenix Rising. J'adore ce jeu. Puisque je n'ai pas. Je pourrais encore continuer à jouer sur le compte de Sam, mais j'aimerais bien qu'il retire son compte de. Enfin, je voulais qu'il retire son compte de ma PlayStation. Mais le problème, c'est que Hogwarts Legacy est sur son compte et pas sur le mien. Donc si je le veux sur mon compte, je dois le racheter. Donc c'est un peu con. Voilà. J'ai pris Jurassic World. J'ai joué un petit peu hier. Je l'ai testé. Très compliqué apparemment ce jeu. Hein, parce que j'ai joué 30 minutes. J'ai rien compris. Par contre, j'ai fini My Little Pony en une heure. Heureusement qu'il était en solde. Donc le deuxième, je vais attendre qu'il soit clairement bien soldé. Hein, parce que si c'est pour jouer une heure, je ne vais certainement pas mettre 40 balles. Mais c'était fun à jouer. Le petit ranch, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris, il y a donc Assassin's Creed, Phoenix Rising, Jurassic World, et c'est pas Kira, c'est Kia. Je ne sais plus le nom. C'est un petit jeu d'aventure qui a l'air fun. Sauf que là, aujourd'hui, à 15h, il y a Ova Magica qui sort. Donc je vais acheter celui-là. 15h. Je suis sur Steam parce que, à mon avis, je crois qu'il sort pas sur la PlayStation en même temps. Donc, je prendrai sur PC. Il sera certainement moins cher aussi. Et il y a plusieurs autres jeux que j'ai vus que j'aimerais bien, dont un Le Seigneur des Anneaux, mais spécial La Mine de la Moria, avec que les nains, en fait. On joue que les nains. Et il y a plusieurs jeux comme ça qui me plaisent bien. Donc, je verrai à la paye. Voilà, on verra. Là, j'ai déjà claqué 50 balles. Plus ma petite commande Temu. Alors, j'ai fraudé sur Temu.
petite astuce. Normalement, il faut 25 euros ou parfois 30 euros minimum pour pouvoir passer la commande. Là, il y avait un truc que je voulais absolument, mais que je n'avais pas encore acheté parce que c'était cher pour ce que c'est. Je vous montrerai quand j'aurai reçu, c'est une petite maquette en fait. Les grosses maquettes sont encore plus chères. Et un sèche-cheveux plus léger que le mien. Donc il ressemble un peu au Dyson, à l'ancien Dyson, vous savez, rond. Il me semble que c'est Dyson, hein. Enfin je sais plus. Tout ce que je voulais, c'est qu'il soit léger et compact. Parce que ben, comme je me sèche les cheveux maintenant, je ne les laisse plus sécher à l'air libre. Merci Paula pour tes conseils coiffure. Dans un de ses derniers vlogs, elle expliquait que les cheveux n'aimaient pas l'humidité, donc il fallait les sécher. Et elle expliquait aussi qu'il fallait faire deux shampoings, le masque et ensuite l'après-shampoing pour refermer les écailles des cheveux et que le soin reste bien à l'intérieur. Et depuis son vlog, je fais ça et mes cheveux sont incroyables. Là, je ne les ai même pas lissés, rien. Bon, je les sèche au sèche-cheveux et à la brosse, hein, je fais un mini brushing. Mais ils sont tout doux. Bon, après, forcément, je mets mes soins dedans, hein, surtout ma crème de sange. T'as fini de te laisser tomber en arrière? Encore te fracasser la tête sur le bureau, toi. Et donc voilà. Et donc quand je les sèche au sèche-cheveux, le sèche-cheveux qui est classique, hein, donc j'avais acheté 10 balles, je sais plus où, là, 15 balles, est très lourd. Et bah déjà tenir le bras en l'air, ça me fait déjà mal, mais avec le poids du arrête-yuki du sèche-cheveux en prime, ça me fait encore plus mal. Et quand je dois le tenir dans la main gauche où j'ai la tendinite, je vous raconte pas comment je dois. Il est pas mal. Il fait ses gestes avec ses papates. Si tu veux. Petit con. Donc voilà. Et du coup, comme j'avais pas. Le truc que j'ai acheté finalement, quand même, je l'ai eu à 7 euros à la place de 15. Parce que j'ai eu les. Vous savez, les mails qu'on reçoit là, qui vous accordent une ristourne là. Donc je suis toujours contente quand j'ai ce truc-là et je commande quasi à chaque fois. Ça marche d'enfer avec moi. Hein. Sauf que bah, à chaque fois, il me fallait 25 balles. Et là, j'avais 11 euros de sèche-cheveux et 8 euros de ça. Donc ça me faisait que 19. Je dis, merde, je ne vais pas rajouter un truc juste pour avoir les 25. J'aurais pu. Hein, bon. Et je voulais vraiment que ces deux trucs-là, parce que j'essaie de me calmer un peu avec les commandes. Du coup, j'ai mis un autre truc à 15 balles. Hein, je n'ai pas regardé, j'ai mis un truc cher exprès pour avoir les 25 euros. J'ai validé ma commande. Donc, j'ai eu les 8 euros en moins de mon portefeuille, de mon solde des ajustements de prix là. Et après, j'ai annulé l'article qui ne m'intéressait pas. Et du coup, ils m'ont quand même envoyé. Voilà. Bah écoutez, je ne comprends pas pourquoi il y a un minimum d'achat. Je veux dire, sur AliExpress, Chine et tout ça, il n'y a pas. Enfin, Chine, si, la dernière fois, j'avais eu aussi. Enfin, c'était pour avoir les frais de port gratuits, mais il n'y a pas vraiment de minimum d'achat. Vous payez juste les frais de port en plus, au pire des cas. Mais je trouve que 25 euros pour les tarifs qui sont sur le site, c'est quand même beaucoup. Donc, voilà. Bref, enfin, voilà. J'ai fraudé, j'ai annulé l'article, ils m'ont remboursé. Et du coup, j'ai quand même ma commande qui va venir pour 19 balles, quoi. Surtout avec tout ce que je commande, hein, il pourrait faire un geste. Donc voilà. Et voilà. Mais non, oh, mais Yuki, enfin! Qu'est-ce qu'ils sont têchus, ces chiens là? T'es vraie tête de mule. Donc moi, je vais achever ma petite vidéo que j'ai. Passer devant la porte. Je ne sais de nouveau plus ce que je vous disais. Hein. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose à dire. J'ai rien d'autre à vous dire. Je suis en train de réfléchir, mais la porte va claquer. Un courant d'air. Oh le vent. Écoutez. Là, je vais regarder à mes petits DIY. Voilà. J'ai envie de faire un petit peu de DIY en attendant que mon jeu sorte. Je vais attendre le facteur, elle est couchée. Je fais le chinoise. Il devrait plus trop tarder maintenant.
Je regarde tout ce qu'il en est. Il sait pas lui foutre la paix. Oh, 14 arrêts restants. Il est un peu plus loin dans la rue, donc il ne devrait plus trop tarder. Donc voilà. Bah, écoutez, sur ce, nous, on suit du jour. Ouais. Alors, il est 9h moins le quart. Je suis gelée, je suis crevée. J'ai une flemme olympique. Voilà. Je vous prends pas longtemps aujourd'hui. Juste que hier. C'est hier ou avant-hier que j'ai vu les tutos pour faire des bijoux. Donc du coup, j'ai fait des bijoux. Voilà. D'abord, j'ai fait un nœud pour mes cheveux. Voilà. J'ai tous les rubans que Manon m'a donné. Et alors, j'adore ça. Regardez comme c'est beau, rien que le truc. C'est parce que là, j'avais pas assez de rubans. Donc j'ai mis ça en plus. Et j'adore, j'aime trop. J'aime trop. Je pense que je vais m'en faire pas mal avec les petits rubans là. Et j'attends des perles. Oui, je vais commander des perles parce que j'en ai pas assez. Et que j'avais vu en fait pour faire ceci avec les petits élastiques. J'aime moins. Je trouve ça. J'arrive pas en plus à faire les fermetures et tout. C'est pas moche, hein, mais ça fait un peu gadget. Et la fermeture mais après c'est des élastiques pour cheveux, donc je ne sais pas si les élastiques pour faire les bracelets sont plus épais et plus costauds ou plus fins mais plus solides. Ça je ne sais pas du tout. Donc du coup je vais les redéfaire parce que j'en ai fait un autre avec ces perles là. Alors la fin est partie en cacahuète. Elles sont trop belles, hein, ces perles. La fin est partie un petit peu en cacahuète. J'ai le truc qui m'a ripé de mes deux baguettes là. Donc ceux-là, je vais les recommencer parce que j'ai vu pour les faire avec des rubans. Et j'ai également commandé du fil élastique pour pouvoir les faire, en faire en fonction, en élastique, quoi. Et ce matin, j'ai fait deux petits pendentifs avec les perles que j'ai là pour l'instant. J'en ai fait un pour ma belle-sœur en jaune parce qu'elle adore le jaune. Bon, il est un petit peu de traviole. j'aurais dû glisser les trucs dans les perles, en fait, je pense. Mais bon, voilà, une fois porté, ça se voit pas trop, hein. Et j'ai fait celui-là pour ma bichette. J'ai un peu le collet à mon doigt. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de perles de rocaille. J'aimerais bien en chercher chez Action. Parce que, bon, les commander. Après, j'en ai trouvé des pas trop chères. Hein, mais il y en a chez Action. Et c'est encore moins cher. Donc, voilà. Je vais passer mon temps à ça. Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment rien envie de foutre encore une fois. Pff, là c'est la flemme, je commence à bien le sentir, le manque de sommeil là, force de me lever à 5h tous les matins. Pff, j'en peux plus là, je suis exténuée. Vraiment. Vivement que Sam ait fini son contrat. Hein. On est quel jour là, mercredi, donc il reste une semaine et demie. Vivement qu'il ait fini là parce que moi je suis crevée. Enfin, il se lève, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pour être sûr, je mets quand même mon réveil pour que les deux se lèvent, hein, parce que monsieur, il suffit que je mette pas mon réveil pour être sûr, pour que lui se lève pas. Et ça, on l'appelle qu'une fois, il se lève tout de suite, hein, mais j'arrive pas à aller me recoucher directement après, parce que bon, après, j'arrive à la douche. Il part, ça me prépare son casse-croûte et tout, enfin prépare. Je lui ai tout préparé à l'avance, hein, il a plus qu'à mettre dans sa boîte. Mais les chiens bougent parce que ça bouge dans la maison, donc j'arrive pas à dormir tout de suite. Là j'attends un colis, j'attends trois colis. Alors ils m'envoient, j'ai oublié de marquer qu'ils envoient tout d'un coup sur Amazon. Ryan ? Ryan ? Donc du coup, je reçois tous les colis séparés, quoi. J'en reçois un maintenant, enfin à 10h30, enfin vers 10h30 là. J'en reçois deux ce soir, je suppose. L'autre, c'est marqué entre 17 et 22h.
Et j'aurais dû marquer qu'il pouvait toujours couper, quoi. Mais bon, j'ai complètement zappé. Donc voilà, demain, je pense que je vais passer ma journée aussi à faire des perles, hein, parce que... Mais il faut que je filme demain. On fera le crash test des produits du swap. Je voulais le faire aujourd'hui, parce que Chérie m'a dit, si, tu peux aller dans ton bureau du moment que tu ne marches pas sur les joints. Mais... Ah, j'étais motivée à 5h quand je me suivais, hein. Puis à 5h15, j'avais la flemme. Rien, j'arrête pas de gueuler. Donc, demain, je sais pas comment je vais jongler, mais il faut que je me repose. Là, je vais aller dormir entre les colis, parce que j'ai un colis aussi Temu qui arrive. J'en ai reçu un hier, c'est la même commande, hein. J'en ai reçu un produit tout seul hier par la poste et un aujourd'hui par colis privé avec les deux autres articles. Oh, j'en ai marre de ces chiens qui n'arrêtent pas de gueuler. Et voilà. Sinon, je suis crevée. Là, wow. Il est temps que je puisse me lever à 1h décente, quoi. Parce que 5h, c'est un peu tôt quand même. Bon, après, en règle générale, je me lève à 6h, donc c'est que 1h. Mais comme je vais coucher tard parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir, je dors 4-5 heures par nuit et ça commence à se sentir. Parce que là, je cumule. Et là, je commence à bien le sentir. Oh, j'en ai marre de les entendre gueuler, ceux-là. Alors, Riley, autant elle fait du bruit quand elle joue, qu'elle est tout le temps en train d'aboyer et tout ça. Dès que ça gueule dehors, elle vient se planquer près de moi. Elle est assise là, elle surveille. Mais dès que eux aboient dehors, elle rentre, elle a peur. Bon, je vais aller gueuler sur Yuki. Et je ne sais pas, me refaire un café déjà pour essayer de me réveiller un peu. Moi j'ai un peu de pastèque je pense. Donc, je sais pas si j'ai faim ou pas en fait. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas baillé en vlog je crois. Il faut pas perdre les bonnes habitudes. Hein. Plus c'est petit, plus ça gueule ces machins là. Bon, allez, sur ce, on switch de jour et demain, on fait le crash test des produits du swap. Et vendredi, comme ça, on pourra clôturer en vous montrant, je vous montrerai tout ce que j'ai fait, parce que me connaissant, il y en aura certainement un petit paquet. Donc voilà, on switch. Il est 6h30. Ouais. Alors, est-ce que je me suis réveillée? J'arrivais pas à dormir hier parce que on a un crétin de clébard qui a gueulé de 11h du soir jusqu'à 1h du matin. Donc, comme on dort avec la fenêtre ouverte, on l'a bien entendu. Chérie, ça n'empêche pas de dormir. Riley non plus, de toute évidence. Moi, ça m'a énervé de fou. Donc, du coup, je me suis relevée. J'ai été me recoucher à 1h30 et je me suis donc réveillée à 5h. Je voulais rester au lit, mais les chiens n'arrêtaient pas de bouger. Donc, c'était juste infernal. Et je me suis réveillée quand même avec la musique. Pomme de Reinette dans la tête. Pourquoi ? Il sait pas. Hein ? Il ne sait pas. Donc là, on va crash tester les produits, enfin quelques produits du swap que j'ai reçu dans le swap de Manon. Et après, j'irai tourner le film. Oh putain, mais ça va pas. Hein. Le haul Action, puisque hier, on a été chez Action. Alors, il me fallait du fil de coton et des perles de rocaille. On en a eu pour 80 balles. Voilà! Donc, je vous filmerai le haul que vous aurez normalement demain, enfin lundi pour vous. Et voilà, là, on va déjà crash tester. J'ai également reçu des perles que j'ai commandées sur Amazon, mais je vous montrerai ça demain, comme ça, je ne vous reprends pas en bas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va juste faire le crash test make-up, parce que j'ai rien de plus à vous dire. Aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai pas fait mon... Enfin, si, j'ai fait mon teint, mais j'ai pas mis bronzer, blush, highlighter, puisque tout ça, on a ici. Je vais en profiter pour tester les pinceaux Harry Potter. Donc, je vais déjà les sortir. Là, je les avais laissés dans la petite trousse pour être sûr. Donc, je vais prendre celui-là pour le blush et le bronzer. Mon highlighter, il y en a pas, mais je pense que je vais le mettre au doigt. Et alors, oh, mais j'ai un poil de nouveau, c'est quand même un truc de dingue.
Yuki, 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 allô, laisse-la tranquille, va te coucher, non, va te mettre sur ton tapis. Donc, j'ai la palette à tester, donc oui, c'est du nude, elle était un peu dégoûtée que ce soit du nude, parce qu'elle m'avait commandé une dans les teintes vertes, et elle a pas reçu la bonne. Et dedans, il y a un bronzer. Donc, on va commencer par utiliser le bronzer avec le pinceau Harry Potter, qui est to do. Qui est to do, to do, to do. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, non? Attendez. Ouais, voilà. Allez, on est parti. Alors, il est plutôt orangé. Oh, il s'applique bien, en tout cas. Donc, je suis pas fan des bronzers orangés, mais en été, ça donne vraiment un côté bonne mine qui est moins dérangeante que si vous les mettez en hiver, je trouve. Hein. Après, voilà, chacun ses goûts. Ça dépend aussi de votre teinte de peau habituelle. Moi, vu que j'ai la peau quand même relativement claire, le orange, il ressort vite hein, dessus. Bon, en tout cas, il est bien pigmenté et il s'applique super bien. Mais j'aime bien les taupes. Les bronzers taupes. Yuki, arrête de piétiner et arrête d'essayer de me sauter dessus. Il va absolument venir sur mes genoux. Mais que nenni, mon seigneur. Ah bah écoutez. Le bronzer est validé. La qualité, en tout cas, est incroyable. Enfin, incroyable. C'est un bronzer, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, mais... Il s'applique super bien. Donc, il n'y a rien à dire. Alors, il y a un highlighter ici, mais je ne vais pas l'utiliser en highlighter parce qu'on a un autre à tester que j'aurais trop envie de tester. Ça m'énerve ce poil, là. Je ne sais pas où ce qu'il est. Je le sens, je le vois, mais je ne le trouve pas. Donc, je vais blender un petit peu. Oh, il se blende super bien. Elle aussi, elle a un bronzer dans la palette que je lui ai pris, vu que c'est la même. Enfin, c'est pas la même, c'est pas le même modèle, mais c'est la même marque. Il me semble qu'elle a un bronzer aussi. Et je pense qu'elle devrait bien l'aimer. Mais. Oh, même mes cheveux m'emmerdent. Ah, c'est un cheveu que j'avais, je pense. Qui passait sur mon cil ici. Enfin, sur mes cils. Mon cil. Alors, on va passer au blush. Oh là 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 là. Quelle beauté ce truc, c'est incroyable. Donc là, je vais mélanger toutes les teintes. Alors, je vais essuyer mon pinceau Harry Potter. Pourquoi je le dis avec l'accent comme ça, je ne sais pas, mais j'ai envie. Et je vais mélanger toutes les teintes. Donc, je vais essuyer mon pinceau pour enlever le bronzer. J'avais fait les swatchs. Oh, bah ça va! Enfin, j'avais fait le swatch, hein, parce que j'avais trop envie de voir la teinte. Oh, ça va, c'est discret, c'est une teinte discrète, mais c'est une teinte vraiment bonne mine. Bah après, on n'a pas envie d'abîmer le pan, quoi. Parce que l'embossage qui est dedans, il est juste canon. Oh, on n'a pas envie de l'utiliser. Clairement, si un jour je le finis, celui-là, la boîte, je garde et je m'en servirai comme petite boîte à pilules ou un truc comme ça. Parce qu'elle est tellement belle. Yuki, qu'est-ce que tu bouffes encore? Fais pas style, t'as rien dans la gueule, t'as la gueule grande ouverte avec un truc dedans. Oui, ils ont jamais réparé la bosse hein, qu'il y a devant chez nous, là. Et des fois, on a l'impression que le camion va s'envoler. J'en vais estomper. Oh, mais c'est pas vrai, il est 6h30, il y a déjà une circulation de dingo, là. J'aurais pu me faire un café pour filmer. Vous me direz si vous aimez bien, du coup, qu'on crash teste comme ça les make-up, les produits make-up et tout ça, qu'on fasse des petits make-up dans les plugs. Donc, je vais utiliser l'highlighter là. Alors, il y en a plein, ils le font comme ça. Oui, bah non. Ça touche, je sais pas, c'est arrondi. Oh! Buzz l'éclair, me voilà! Oh! Bon, je brille, j'étincelle.
Oh là là. Là, je crois que vous voyez bien. J'adore. Toujours un feu, quand même, un petit bichette. Alors, je vais blender ma base. J'ai pas beaucoup dormi, hein, donc je vais parler un peu bizarre. Je vais dire beaucoup des coups de nuit. Comme d'hab, quoi, vous avez l'habitude maintenant. Alors, je vais commencer mon petit make-up. Donc, ça va être assez nude, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais commencer, j'ai l'impression de ne rien voir, moi, avec ce fard là, pour faire mon creux. Oh, bah question pigmentation, ça va. Après, si vous êtes plutôt nude, vous avez une bonne petite palette assez complète, je trouve. En ce moment, je suis dans ma période nude, de toute façon, donc ça arrive. C'est assez rare, mais ça m'arrive. Donc, je fais le creux de l'autre côté aussi, sinon ça fait bizarre. Et les pinceaux, ça va. Enfin, j'en ai testé deux. Un pour le teint, un pour les yeux. Mais en tout cas, ils sont super doux. Base qui fait une tache, je vois pas bien. J'ai mon miroir qui est à l'autre bout de la planète là. Quelle circulation qui a ce non mais. Alors je vais passer à un pinceau plat, donc je vais prendre un dans les noirs parce qu'il est plus long que le blanc, j'ai l'impression. Donc quoi que ça a l'air d'être les mêmes. Et je vais prendre mon raisin éteinte chaude, peut-être. Oui, allez, on va rester dans l'éteinte chaude. Donc, je vais prendre ce marron chaud ici pour mon coin externe. Oh, très beau marron chaud. Marron chaud. En plein été, on va prendre du marron chaud. Alors, je ne sais pas si c'est pareil par chez vous, mais nous, on passe de 30 à 19 degrés. Un jour sur deux. Ok. Blendage. Paupière mobile aussi. Alors, est-ce que ça se blende bien? Ça a l'air, mais comme j'ai le miroir qui est très loin, je vois pas bien. Et j'ai les yeux, mes yeux sont un peu moins bien réveillés que moi. Il faudrait que j'aille revoir un peu mon ophtalmo. Là. Ça fait 20 ans que je n'ai pas été. Oui, oui. Que je n'y suis pas allée. Après, on va dire que je parle pas français. J'ai un langage de racaille. Alors, au doigt, je vais prendre celui-ci. C'est un petit taupe comme ça, assez lumineux. Oh oui, bien lumineux. Oh, très joli. J'aime bien. Alors non seulement mon miroir il est trop loin à cause de tout mon bordel sur le bureau, mais en plus il est mal orienté. Je vois juste le haut de mon yeux. Hein. Pas facile de faire quelque chose. Ah, si je tourne le miroir, c'est un peu mieux déjà. C'est trop loin, mais c'est mieux. Voilà, voilà. Petit coup d'estompe, mon père.
Alors, pour le coin interne, donc là, il n'y a pas de pinceau, donc je vais prendre un des miens. Si j'en trouve un, parce que dans mon bordel de pinceau, là, je trouve ça. Je vais prendre... je vais prendre celui-ci. Je voulais prendre l'highlighter, mais celui-ci a l'air un peu plus pailleté. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bien lumineux. Hein. Je sais pas c'est quoi toute cette circulation là. Enfin, c'est les gens qui vont bosser, on est d'accord, hein, mais c'est mon filmé, bordel. Et je vais prendre celui-ci pour mettre sous mon sourcillon. Je vais prendre l'highlighter. Oui, on brille. Hein. Aujourd'hui, on va briller. Hein. Je vois pas trop ce qu'il donne. Je suis trop loin. Ça a l'air de briller. Je vais vous faire un petit swatch. Alors attendez, je suis mon doigt. Bon, c'est clairement un doré, hein, mais j'ai mon autofocus qui merde. Il veut pas. Ah, hein. Oh, attendez, je fais des réglages. Non, il veut toujours pas. C'est quand même ma télécommande. Télécommande. Allô. Vous voyez, je l'ai encore perdu. Je la perds tout le temps, cette télécommande, c'est quand même incroyable. D'habitude, je la mets toujours à la même place. En ce moment, j'arrête pas de la perdre. Alors, attendez, je vais... J'ai eu les miquettes, j'ai cru que ça ne m'avait pas enregistré. Enfin, que ça m'avait pas enregistré du tout. Bon, on réessaye. Ah, c'est mieux. Donc, voilà ce que donne l'highlighter. Bon, c'est pas un truc incroyable. C'est pas le genre de d'highlighter que moi, je préfère. Mais la petite palette, j'aime bien. Attendez, je vais ranger ma télécommande, je la mets d'habitude, sinon je vais encore râler. Je vais prendre, du coup, celui-ci qui est propre. Oui, j'aime bien salir mes pinceaux pour rien. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je compte aller laver. Hein. Un de ces quatre. J'ai toujours ma gorge qui me gratte. Ça fait 3 fois qu'on va au magasin. Et que j'oublie de racheter du Dash pour voir si c'est bien ma lessive qui me cause un souci. Alors, on va passer au crayon multichrome de chez Glam. Alors, je ne sais pas lequel je vais utiliser. On va faire un petit swatch de chacun parce que je ne me souviens plus. Alors, celui-ci, il est très vert. Ça peut aller avec mon haut. Celui-ci... Oh non, on va utiliser celui-ci qui est plus turquoise. Oh, ne me demandez pas de vous lire les teintes. Hein. Mais celui-ci, j'avais bien aimé aussi, bleu argenté, comme ça. Oh, ils sont tellement beaux. Mais je vais utiliser celui-là qui est bleu turquoise, comme ça, un peu vert turquoise. C'était celui-là, je crois. Oui. Donc, je vais prendre mon... Bon, je vais rapprocher mon livre. Ça fait tant que je me décide à le faire. J'essaie de bouger mon bordel. Voilà. Au moins, je vois qu'est-ce que je fais. Alors, je vais déjà mettre du crayon noir en muque supérieure. Oh putain, il faut que je taille. Ça y est, les travaux en face vont recommencer. C'est une conspiration. Voilà pour le crayon noir. Et alors, je vais mettre celui-ci en muqueuse, débordé sur mon ras de cils et laisse tomber avec le petit tombeau mousse qui est de l'autre côté.
Oui, nude, c'est bien, mais totalement nude, ça va pas, hein, quand même. Faut pas déconner, hein. Faut rajouter un petit peu du peps. Ils marquent super bien. Ils sont vraiment le canon, ces crayons là. En plus, je crois que c'est celui qui a la mine qui est pété à l'intérieur. Et on n'oublie pas d'estomper, sinon ça fait une grosse barre dégueulasse. D'habitude, je suis au dos. Hein. Ok. Bon, allez-y, racontez-moi votre vie tant que je fais ça. Je vous écoute. Alors, je vais repartir ici en une espèce de trait. Un trait, quoi. Et je vais rejoindre ici pour faire une espèce de liner. Mais je ne vais pas jusqu'au bout de mon ratil. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et ça y est, je me suis maquillée, j'ai le nez qui coule. C'est quand même incroyable. À chaque fois, ça me fait penser à Natacha qui met des cotons-tiges dans le pif. Là. Donc, voilà pour ça. Je vais passer au liner pailleté. Oh, quel petit. C'est magnifique. Bon, focus, mais enfin. Hein, voilà. J'ai moins dormi que lui et donc je vais en mettre dans mon creux et c'est tout. Par contre, le capuchon, il est absolument pas pratique. Vous voyez, la pointe est très courte et le truc est très large. Donc il faut vraiment le faire comme ça parce que comme ça, vous crevez un œil. Vous voyez, j'avais pas fait attention à ça. Donc, je vais laisser sécher la première couche. Ouais, le packaging, il est beau. Mais absolument pas pratique, hein. Parce que vous cachez même... Vous voyez, ça fait la taille de mon œil, le bazar, quoi. Bon, après, vous prenez un autre pinceau liner que vous trempez dedans, au pire des cas. Je vais pas m'amuser à le faire, mais je crois qu'après, j'aurai pas trop le choix. Je vois pas ce que je fais là. On y va à l'aveugle. En tout cas, le produit, il est canon. Les micro-paillettes qui sont à l'intérieur, là, elles sont toutes multicromes. Tout ça. Très joli. Alors, je crois qu'on en a fini pour les neneuils. Enfin, pour le make-up du moins. On va tester le mascara de chez Agag. Donc de chez Gaga à l'envers. Donc il est skinny. Hein. Alors je vais essayer en première couche sur les cils du haut. On verra ce que ça donne. Je vais l'utiliser pour les cils du bas, ça c'est clair. Mais on va voir s'il est noir, hein, déjà. Bon, clairement, pour les cils du haut, j'aimerais pas. Il a l'air noir, hein, quand même, bien noir. Mais, question volume, on repasse pas. Hein. Donc, bon, après, c'est pas fait pour avoir du volume, hein, ce genre de petite brosse. Là. Alors, pour les cils du bas, qu'est-ce que ça donne?
pas l'impression, si on voit, mais bourse. Ouais, il faut pas mal insister en passage, alors que le nabla, par exemple, un passage et vous avez les îles tout noires. Par contre, j'aime bien la petite brosse, elle est pratique. Ah, il est déjà un peu plus noir de ce côté-là. Je vous ferai un zoom après, hein. Après, j'aurais pu garder les cils du bas avec juste le crayon par-dessus, mais je voulais tester le mascara au moins pour les cils du bas. Et j'ai mon fauteuil qui queen, j'avais oublié ce détail. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas. J'avais pas mis mon cul dessus. Donc, je vais quand même remettre une couche de queen, du Call Me Queen. J'ai l'air courbé d'ailleurs, en plus que j'ai pas mis de liner. Ok. J'ai pas envie de coller des fossiles maintenant. Je suis trop fatiguée pour ça. Si je les colle maintenant, ça fera accent circonflexe. Et ben voilà pour les yeux. Donc il reste les produits lèvres. Alors je vais pas tester le kit cette fois-ci parce que on brille déjà assez sur les non-oeils. Hein. Je le testerai une autre fois avec vous en vlog de toute façon. J'ai très envie de tester celui-ci parce que la couleur me plaît vraiment beaucoup. Et j'ai envie de voir ce qu'il donne sur les lèvres. Et en plus ils sont... J'adore la couleur. C'est un nude que j'adore. Ah non, prout. Allez, tais-toi. Alors, je sais pas si... c'est... Ça a pas l'air d'être un gloss. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres liquide, mais pas mat, vous voyez, qui ne sèche pas. Après, c'est peut-être un qui met du temps à sécher. Non, il n'a pas l'air de sécher. Mais j'adore la couleur. Il est super confo, hein. On ne le sent absolument pas. Oui, ça fait vraiment comme un rouge à lèvres bâton, en fait, un peu plus crémeux peut-être. Je ne sais pas trop. Mais ouais, il est super confo et j'adore la couleur. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer les non-œils pour que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. J'allais encore me dire que j'avais perdu ma décommande. Et donc voilà ce que ça donne. Pas si vous avez bien voir l'effet multichrome. Alors, regardez-moi ce highlighter là, incroyable. J'aime beaucoup mon make-up. C'est nude sans être trop nude et c'est quand même joli. Voilà. Et ben voilà, on a fini le crash test. J'ai pas utilisé les trucs de chez Action là. Et ah merde, j'avais dit que je voulais coller quelques strass parce que les strass sont trop beaux. Mais on fera ça dans un autre make-up shop. Je le ferai certainement dans un O'Reill. Et les crayons, j'adore. Alors, petit bilan. Ben écoutez, j'aime tout. Légère déception sur le mascara parce que je trouve qu'il n'est pas hyper black. Quand on passe, bon là vous voyez ils sont bien marqués hein, mais il faut passer plusieurs fois
La brosse est super sympa, elle est très pratique, donc si vous aimez ce petit genre de brosse, vous achetez le mascara, une fois qu'il est vide, vous gardez la brosse pour le tremper dans un autre mascara que vous aimez. Et voilà. Donc c'est pas une grosse déception, voilà. C'est juste que j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus noir, mais oh, sinon je l'aime bien. Coup de cœur sur les crayons, sur l'highlighter, sur le blush. En fait, coup de cœur sur tout, voilà. Sauf sur le mascara. Le mascara, c'est pas un coup de cœur, mais je l'aime bien. Et les pinceaux, rien à dire. Hein. Et en plus, celui-là, il est doux. Mais il est doux. Et ben, le bronzer, il donne super bien, vous voyez, avec le reste du make-up. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Alors, il ne sèche pas du tout. Hein. Clairement, c'est un rouge à lèvres et pas un... Enfin, c'est un rouge à lèvres classique, quoi. Liquide, mais pas mat. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup la teinte et il est super, super, super confo sur les lèvres. Donc voilà, Bichette, Taffy Mouche, comme d'habitude. J'ai pas du tout le courage de ranger aujourd'hui. Hein, je ferai ça demain. Et voilà. Donc, écoutez, on va switcher de jour. Et demain, je vous montrerai, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même... J'ai vu que j'ai reçu mes... Oh, ça faisait The Mask. Vu que j'ai reçu mes perles, je vais enfin faire quelques bijoux. Et voilà. Mais bon, je suis à fond sur mon jeu. J'avais dit, parce qu'il est toujours en accès anticipé, en fait, Ova Magica. Hein, et il n'est pas encore traduit. Donc, il est juste en anglais. Donc, j'avais dit, tant qu'il n'est pas traduit en français, je jouerai un petit peu de temps en temps, histoire de faire éclore un blob ou des trucs comme ça. Comme ça, je serais mieux immergée en français quand même, parce que bon, des fois la traduction j'ai du mal, surtout que des fois il y a des mots qui sont pas très anglais de base, donc pour les traduire en français, quand vous n'êtes pas totalement bilingue, c'est compliqué. Donc j'utilise Bixby Vision des fois hein, pour traduire, mais je m'amuse pas à traduire toute l'histoire, vous voyez, donc l'histoire je passe. Donc j'avais dit je jouerai pas trop, mais je suis à fond dedans, donc... Voilà, il va sortir en français, j'aurai fini le jeu, moi. Bref, vous savez comment je suis, de toute façon. Hein. Voilà, bon, ben moi je rangerai demain, et je vais aller me refaire un petit café, et aller filmer mon haul action en bas, parce que le sac est en bas, et que jamais j'arrive à le monter, tellement il est gros et lourd. Donc sur ce, nous, on switch toujours. Il est 13h, moins le quart. Je suis exténuée, je viens de me réveiller, j'ai redormi un peu dans le canapé. Enfin, je viens de me réveiller, oh, ça fait presque une heure, mais j'ai dormi 1h30 cette nuit. Impossible de dormir. Je suis montée me coucher à 3h30 du coup. Enfin d'abord, je suis montée me coucher à minuit, puis à 1h30, puis à 3h30. Et là, j'ai enfin réussi à m'endormir, mais sauf qu'à 5h, le téléphone, il sonnait. Donc je me suis dit, c'est rien... Une fois que Chéri est réveillée, je lui dis qu'il réveille ça, mais et moi je reste au pieu. Sauf que ben, c'était sans compter sur les chiens qui sont directement arrivés pour foutre le bordel dans le lit. Donc je me suis levée et je pétais la forme. J'ai envie de faire plein de trucs sans pouvoir bouger parce que forcément fatigue égale douleur. Donc je me suis dit, je vais me poser un peu devant le PC. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire... mail, vérifier mes commentaires et tout ça, comme je fais tous les matins, c'est ma petite routine. Et puis après je passe sur Temu pour faire tous les ajustements de prix. Et j'ai fait un bracelet pour ma nièce, sauf que bah, en le serrant, le nœud, j'ai coupé le nœud trop ras en fait et j'avais oublié de cramer le bout pour que ça fonde. Du coup, le nœud a sauté et toutes les perles ont volé quoi. Alors, je dis va chier, je le recommencerai que tantôt. Après, j'ai été me coucher dans le pieu. Il était quoi, 9h30. Et j'ai déjà eu du mal à m'endormir. Et à 10h15, Ryan est déjà venu me faire chier pour sortir. Pff, je sais pas vrai. Donc, je l'ai fait sortir. Et puis, je me suis foutu dans le canapé jusqu'à très midi. Ouais, midi. À peu près midi. Voilà. Et j'ai reçu une commande Temu. J'avais commandé un tissu pour mettre sur le canapé à la place du gris, là, gris foncé, parce qu'il ne tient pas en place.
Mais c'est de la mousseline de soie, et il est vraiment trop transparent. Je pensais que même s'il était fin, il ne serait pas aussi transparent, puisque sur les photos du site, il n'était pas transparent. Donc j'ai tout de suite fait le truc de retour. Et on ira le ramener demain ou tantôt, je ne sais pas. On ira le déposer au point relais. Donc voilà. Donc je vais quand même vous montrer, avant de clôturer ce vlog, les 2-3 trucs que j'ai fait. Alors coup de cœur sur ces perles. Donc j'ai fait celui-là, sauf que bon, il y a des petites erreurs. En fait, j'aurais dû l'attacher pour qu'il reste toujours dans le même sens, parce qu'il y a des moments où j'ai le truc à tourner. Bon là, vous ne les voyez pas, il n'y a pas d'erreur. Attendez, je vais essayer de vous trouver un où il y en a. Ah ben je les vois plus. Je voyais que ça tout à l'heure et maintenant je ne les trouve plus. Voilà, ici par exemple, il y a une erreur. Vous voyez, il y a deux grosses perles l'une à côté de l'autre. Là, en fait, c'est censé faire deux grosses, trois petites, deux grosses, trois petites. Et je trouvais le modèle assez beau. Alors, il n'est pas si simple que ça à faire. Mais les perles sont canon. Faut que je vous montre les autres de la boîte là. J'ai également fait celui-ci avec un ruban. Donc vous le mettez autour de votre poignet, vous passez un truc ici et vous faites un nœud. Vous voyez, c'est très joli aussi. Et j'en ai fait un rien qu'avec les perles de rocaille que j'ai trouvées chez Action en tresse pastel. Quand j'ai vu les teintes pastel, j'ai dit oh là 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 là. Et c'est très beau. Voilà, ouais, nouvelle lubie, hein, commencer à me connaître. Et voilà, donc j'attends encore des perles parce que cette nuit, comme je n'arrivais pas à dormir, ben, j'ai été traînée sur Amazon et j'ai fait des commandes de perles. Je les reçois demain. Mais en fait, ce qui est. Attendez, je vais vous chercher la boîte. 10 minutes à chercher après la boîte alors qu'elle est là. Donc la boîte, c'est ceci. Donc, vous voyez, j'ai utilisé celle-ci et les couleurs sont vraiment canon. Tout, hein. Bon après gros coup de cœur sur celle-là. Enfin je les aime toutes quoi. Sauf que ben vous voyez la taille intermédiaire là. Donc vous avez 4, 6, 8, 10. Les 8 et les 6 du coup avec rien que ce bracelet là, ils ont pris un sacré coup dans la tronche. Hein. Parce qu'il y a énormément de perles en tout, mais pas beaucoup à part les toutes petites par catégorie. Vous voyez les toutes grosses par exemple, je ne sais pas faire un bracelet complet avec ça. Hein. Je ne sais pas faire le tour de mon poignet. Il y en a quoi? 9, 10, 11, 12, 13. Donc il faut absolument que je jongle avec des plus petites ou des couleurs différentes, mais trouver des couleurs assorties à ce genre de perles, c'est juste impossible. J'avais commandé cette boîte-là aussi. Là, je peux potentiellement faire... C'est des 6, ça je crois. Ouais, des 6. Je peux potentiellement faire un bracelet par couleur. On va dire, hein, en gros, assez basique, quoi, hein, pas faire multi-rang ou des choses comme ça. Et en fait, je voulais faire une manchette, j'ai vu pour faire une manchette, donc ça ferait à peu près le même effet, mais en double épaisseur, quoi, vous voyez. Sauf que bah, j'ai pas assez de perles de la même couleur pour pouvoir faire ça. Et j'avais également pris celle-ci pour faire un peu des petits séparateurs ou des petits médaillons, des petits pampis à ajouter, donc vous avez des étoiles et des petits cœurs. Donc voilà. Mon chien est cassé. Donc là, je vais recommencer maintenant que je connais bien le principe et que mes perles sont prêtes. Puisque heureusement, je les ai toutes récupérées, je les ai mises dans un petit radier. Donc je vais recommencer celui de ma nièce en prenant un plus long fil avec ma manie de l'économie de tout. Du coup, j'avais pas assez de fil pour faire les nœuds et avoir assez de ruban, enfin d'élastique pour les repasser dans l'autre sens un peu. Donc, quand j'ai tiré dessus, ça... Bah déjà, j'ai un côté qui a pété. Donc, après, il m'en restait plus qu'une. Donc, bah, quand j'ai resserré le nœud, après, ça... C'est parti en cacahuète. Donc, je vais essayer. Parce que là, j'ai du 0,6 et du 0,8. Jess, si tu passes par là, dis-moi si les tailles sont correctes. Et avec les perles et tout ça, j'ai du 1 mm aussi. Sauf que, bah, pour les perles de rocaille, quand je dois faire un croisement... J'ai du mal à faire passer les deux fils entre eux, quoi. Mais je vais essayer, là, voir si ça marche. Ça sera un peu plus costaud.
Comme ça, je sais quelle taille est idéale. Et voilà. Mais écoutez, non. Non, je parle. Je parle aux gens. C'est pas, pourquoi tu te mets devant? Eh, oh, mets-toi au moins dans l'autre sens qui te voit. Arrête. T'es pas obligé de me faire des bisous dans le cou. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. De toute façon, maintenant, on se retrouve les mercredis et les samedis. Enfin, les samedis et les mercredis en vlog. Et là, je vais. Demain, je couvrirai l'autre vlog pour mercredi. Il y aura le Disney Challenge, du coup, incorporé dedans. Et lundi, je vous mets le haul action, du coup, hein, parce que si jamais il y a des nouveautés que vous voulez aller vite voir en magasin, je laisse pas traîner les haul actions, parce que chez eux, des fois, ça part aussi vite que c'est rentré. Hein. Voilà, voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, si c'est pas encore fait. Arrête, tu vas tomber, espèce d'idiot. On se retrouve lundi pour un haul, mercredi et samedi pour les vlogs. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Tiens, dis, fais bisous aux gens. Dis au revoir aux gens. Salut. C'est compris.